Comment multiplier un nombre par 1000? Bonjour! Avant de commencer, je te propose de regarder les vidéos multipliées par 10 et multipliées par 100 si tu ne l'as pas encore fait. Cela t'aidera à mieux comprendre cette nouvelle vidéo. Nous commençons. Si on veut multiplier le nombre 54 par 1000, 1000 comporte 3 zéros, ce qui veut dire qu'on va décaler notre nombre 54 de 3 colonnes vers la gauche. 1, 2, 3. Les 4 unités vont donc devenir 4 unités de 1000. Les 5 dizaines vont devenir 5 dizaines de 1000. Il n'y a plus de centaines, je place 0 dans la colonne des centaines. Il n'y a plus de dizaines et plus d'unités, j'aurai donc 3 zéros. 54 fois 1000 égale 54 000. Maintenant, c'est à toi de t'entraîner. Prends de quoi écrire, nous allons commencer. Tu es prêt? Allons-y. Calcule 207 fois 1000. On place 207 dans le tableau de numération. 207, c'est 2 centaines et 7 unités. Si je multiplie par 1000, alors je penserai que je déplace mon nombre de 3 colonnes vers la gauche. Je pense aux 3 zéros de 1000, 3 colonnes vers la gauche. 1, 2, 3. 7 unités deviennent 7 unités de 1000. 0 dizaine va devenir 0 dizaine de 1000 et 2 centaines vont devenir 2 centaines de 1000. Comme il n'y a plus de centaines, je place un 0 dans la colonne des centaines. Il n'y a plus de dizaines non plus, je place un 0 dans la colonne des dizaines et pareil dans la colonne des unités. 207 fois 1000 égale 207 000. Pour terminer, je te propose de faire les calculs suivants. Tu peux mettre la vidéo sur pause pendant ta recherche. On se retrouve juste après pour la correction. Tu as terminé? Voici les résultats qu'il fallait trouver. 93 fois 1000 égale 93 000. 801 fois 1000 égale 801 000. 682 fois 1000 égale 682 000. 50 fois 1000 égale 50 000. 200 fois 1000 égale 200 000. Voilà, tu as bien travaillé. Ton avis m'intéresse, alors si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce. Et si tu veux être informé des nouvelles vidéos, alors abonne-toi. À bientôt.